Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le make-up d'inspiration Catwoman. J'ai mis les oreilles. Donc, make-up assez facile, je pense. Ça va juste être long de coller les strass parce que j'ai envie de mettre des strass. Voilà. Donc, mon teint, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste mis mon fond de teint. J'ai pas mis d'anti-cerne, j'ai pas fait mes sourcils puisqu'ils vont être couverts. J'ai mis du bronzer juste ici et en blush et un peu d'highlighter. Et c'est tout. Voilà. Et on est très bien comme ça puisque je vais être peinturlurée la moitié de la face. Donc je me rapproche un petit peu et on attaque. Ah, je voulais mettre un choker. Attendez. Voilà. Ça habille tout de suite la tenue, hein. Je vais commencer avec le pigment pommade Révolution Pro Jet Black. Oui, c'est bien ça. Et le mixing liquide Révolution. Donc, ça a été discontinué, hein, ces petits produits. Le noir, je crois que vous le retrouvez encore. Le mixing liquide n'existe plus. Pourquoi? Je ne sais pas. D'ailleurs, j'aurais pu prendre le jaune pour faire Bumblebee hier. Ça aurait fait moins caca. Mais bon. J'y réfléchis trop tard. Donc je vais prendre ce pinceau là parce qu'il me faut une grande surface. Alors il bouge dans le pan puisqu'il est très sec et très vieux. Mais on va essayer de s'en sortir avec ça. Et je vais le sceller avec un fard noir de Lamartine Cosmétique. On va juste faire la base avec ça et la forme. Parce que oui, il est vraiment très sec. Très 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 sec. Je vais mettre le mixing liquide. Donc je vais essayer d'aller bien dans ma racine de cheveux quand même. Puisqu'il y a plusieurs Catwoman. On pense à Halle Berry et Michelle Pfeiffer, évidemment, qui fut la première, je crois. Je ne suis pas sûre de me dire, mais la base c'est Michelle Pfeiffer quand même. Là j'étale sur mon front. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire de base. On va faire autrement. Il est vraiment très sec. Hein. Je crois que c'est la dernière fois que j'utilise parce que là, je vais utiliser tout mon mixing liquide à l'intérieur. Donc là, je fais la forme de l'œil. C'est pas en fait ce que je voulais faire. Je voulais faire un masque noir comme ça. J'ai ripé. Mais bon, ça paraît logique aussi. Après, je fais ma colo aussi hein, parce que l'aligateur ne servait à rien. Alors, je vais prendre l'autre côté pour peaufiner. Le tour, je suis assez net. Peut-être qu'à remonter un peu ici sous l'œil. Ça me paraît pas mal. Voilà, je pense que là la forme elle est pas mal. Donc je vais encore mettre du mixing liquide. Je vais remplir. Et comme d'hab, on pense à ceux qui doivent se démaquiller après. Je vais donc sceller tout ça avec un fard noir. Donc je vais prendre la palette 669 hein, parce qu'il y a de noir dedans. Et je vais prendre le Annabelle parce qu'il est plus noir. Avec un gros pinceau. Et je commence par tapoter. Tapotons, potons, potons. Donc on n'a pas peur d'en mettre. Hein. J'aurais pu carrément y aller avec une houppette, mais après pour le nettoyer, par l'air. Bon, la zone là, je vais faire avec un pinceau plus petit, hein, parce que sinon, je vais faire des counouilles. Et voilà pour le masque. Si jamais vous n'avez pas les petites oreilles, vous pouvez arrondir votre masque et faire les petites oreilles ici aussi. Voilà.
Alors, je vais mettre du crayon noir en muqueuse et un trait de liner mascara facile. Du coup, j'aurais pu faire mes sourcils. Écoutez, je vais les faire. Je vais les faire avec ça. Je vais prendre un pinceau biseauté. Donc, vu que j'ai rien mis sur mes yeux, je vais prendre le Glam Shop qui est le Star. Donc, il y a des sous-tons un peu dorés et roses. Et je vais mettre ça. Donc, je mets ça sur toute ma paupière, jusque sous mes chenilles. Je sens les chutes sur ma joue. Voilà, donc je mettrai crayon noir, mascara, liner. Je vais mettre des demi-fossiles pour accentuer le côté cat size. Bah écoutez, il me reste à coller les strass, faire ça. Et sur mes lèvres, je vais mettre du rouge, comme elle a à l'Eberry. Donc voilà, je mets le Candy Cane, je crois que c'est. Ouais, des petites de chez Too Faced. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Donc voilà le look final pour Catwoman. J'adore. Alors j'en ai largement enfilé pour coller tous les strass. J'ai fait tout le tour de l'œil et du masque extérieur. C'était très long. Je sais pas pourquoi je fais ce genre de choses. Je viens de dire, chérie, j'ai mis 10 mois pourquoi je fais ça. Après, je vais devoir tout enlever. Mais le résultat est vraiment canon. D'ailleurs, maintenant, il va falloir que je rachète des strass noirs. Voilà. Donc. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi ça en commentaire. Moi, j'aime beaucoup. Et voilà. Et comme je vous l'ai dit, ici, il y a un strass qui part en cacahuète. Comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de petites oreilles, vous faites le masque arrondi ici et les petites oreilles ici. Et le masque, enfin, le thème Catwoman est rempli. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Demain, on se retrouve avec Matrix. Pilule rouge ou pilule bleue. Voilà, ça me donne envie de les regarder du coup. Donc, ben voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du look. Et j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.